Ma recette pour une pédagogie active et innovante. Les ingrédients essentiels à la recette. Confiance et respect. La confiance. Mes élèves doivent me faire confiance pour tout mettre en œuvre afin de leur permettre de réussir. Et je dois leur faire confiance quant aux moyens qu'ils mettent en œuvre pour réussir. Le respect mutuel découle de cette confiance. Un sourire ne coûte rien et produit beaucoup. Même, ou plutôt surtout dans les moments de tension, gardez le sourire et la maîtrise de soi. Rajoutez un soupçon de bienveillance qui permet d'accorder aux élèves le droit à l'erreur, à l'inattention ou à la fainéantise parfois, de façon à les amener à prendre conscience de leurs besoins afin de progresser. Une pincée de neurosciences. Pour beaucoup d'élèves, la mémorisation est un événement quasi mécanique. Ils aimeraient que le professeur puisse télécharger son savoir directement en eux. Mais la mémorisation est un travail à long terme, difficile et fastidieux. Il est important de comprendre la notion d'entonnoir de la communication, la différence entre ce qui est dit, ce qui est entendu, ce qui est écouté, ce qui est compris, ce qui est retenu et ce qui peut être restitué. À peine 10% de ce qui est dit est capable d'être restitué. La notion de réactivation de la mémoire est un point essentiel. En effet, sans réactivation, au bout d'à peine un mois, et notamment à la fin de l'année scolaire, les notions ne sont plus du tout connues. Alors qu'avec une réactivation régulière, les notions sont correctement ancrées dans la mémorisation. Pour travailler sur cette notion de mémoire, la première activité de l'année consiste en un petit jeu où les élèves ont une minute pour mémoriser ces différents objets, puis doivent les restituer. Certains les classent par groupe de couleurs, d'autres par type, légumes et fruits. Ce qu'il est important de leur faire comprendre, c'est la notion de mémoire visuelle avec une notion d'organisation dans l'espace. Un autre test correspond à une liste de noms qu'ils doivent mémoriser en une minute, puis redonner. Les élèves ayant les meilleurs résultats à ce test sont ceux qui ont réussi à inventer une histoire. Ils sont en train d'écrire avec leur crayon sur leur cahier, de boire une tasse de thé. Ils doivent sortir, ils mettent une casquette, une veste et un parapluie parce qu'il pleut, ils ferment la maison. Comme il pleut, ils voient un escargot, ils prennent la voiture pour aller manger un gâteau chez un ami. Les stratégies mémotechniques sont très importantes à faire comprendre de façon à ce que les élèves eux-mêmes organisent leur cahier, leur schéma, de façon à privilégier toutes les formes de mémoire. Puis mélanger le tout avec beaucoup de coopération entre les élèves, de façon à valoriser les compétences de chacun. Puis ajouter une bonne dose de numérique. Attention au choix des produits, privilégier du numérique de qualité. L'intérêt du numérique est d'apporter une vision dynamique, dans le temps comme dans l'espace, mais aussi de jouer sur plusieurs formes de mémorisation, visuelle, auditive, notamment par le biais de vidéos courtes sur une notion ou une méthode. Le numérique permet surtout à l'élève de comprendre son droit à l'erreur. Il peut recommencer plusieurs fois. Rectifier l'assaisonnement en suscitant l'étonnement. Proposer des activités ludiques telles qu'un film régulièrement au cours de l'année de façon à fixer la mémorisation de certaines notions. Verser le tout dans une cocotte de pédagogie inversée. Cette cocotte ne se trouve pas telle qu'elle dans le commerce. Il faut la fabriquer soi-même. Comment faire? Tout d'abord, choisir ou produire des ressources appropriées à la notion ou à la méthode que l'on souhaite faire acquérir. Mettre ces ressources à disposition des élèves, puis surtout rendre dynamiques et attractives ces ressources par le biais de jeux, de quiz
Et enfin, choisir des activités à mettre en œuvre en classe de manière à vérifier les acquis du travail préparatoire. L'ennemi de cette recette, c'est l'ennui. Il faut proposer des exercices variés avec des méthodes d'évaluation variées. Création du QCM par les élèves eux-mêmes, création du scénario d'une vidéo, lecture et résumé d'un article scientifique. Mais aussi des activités pratiques classiques, ainsi que des activités innovantes. Avant de fermer la cocotte, un petit travail de réactivation de la mémoire. Demandez aux élèves de fermer les yeux, de visualiser dans leur mémoire les images des ressources mises à disposition avant le cours ou lors des activités pratiques et reprendre uniquement avec le son de votre voix les notions essentielles. Mettre au four pendant une année scolaire. La cuisson est longue, mais le résultat n'est visible que sur le long terme.